Le savon d'Alep est un savon excellent pour le corps, les cheveux mais aussi pour soigner de nombreux maux au quotidien et faire le ménage. Le savon d'Alep, c'est mon ami. Il m'accompagne partout dans la maison que ce soit pour prendre soin de ma peau ou pour nettoyer à fond ma maison. C'est un savon naturel excellent aux multiples bienfaits. Voici un petit panorama de ses utilisations. 1. Le savon d'Alep dans ma salle de bain. C'est en cherchant un savon naturel que j'ai découvert le savon d'Alep. Son odeur, particulière au début, est presque devenue mon parfum préféré. Mais attention, il faut savoir bien choisir son savon d'Alep. Tous ne sont pas aussi efficaces. Composé d'huile d'olive aux vertus hydratantes et adoucissantes pour la peau et d'huile de baie de laurier aux vertus antiseptiques, apaisantes et cicatrisantes, on confère à ce savon un caractère de « savon sur gras », c'est aussi excellent en shampoing. Une fois les cheveux mouillés, je fais un peu mousser le savon et le passe dans mes cheveux. La sensation n'est pas aussi agréable qu'avec un shampoing liquide, il faut l'avouer. Mais quand je vois le résultat après, je m'en fiche. En plus, il est aussi excellent contre les pellicules ou pour les tignasses à tendance grasse. Et enfin, le savon d'Alep me sert de mousse à raser pour mes gambettes et mon homme l'utilise aussi pour la barbe. 2. Le savon d'Alep dans ma trousse à pharmacie. Attention, je tiens d'abord à préciser que le savon d'Alep n'est pas un médicament, mais qu'il est, dans beaucoup de cas, un excellent complément en rétablissant le film hydrolipidique, protecteur naturel de la peau. Ce savon sera très efficace pour les peaux sensibles, l'eczéma, les psoriasis mais aussi pour les érythèmes fessiers de nos bébés. Grâce à sa composition entièrement végétale, le savon d'Alep est aussi très efficace contre l'acné. Quand on choisit un bon savon d'Alep, les vertus antiseptiques et cicatrisantes de l'huile de laurier confèrent également au savon d'Alep des bienfaits pour nettoyer les coupures, les griffures et les petites plaies, mais aussi pour apaiser les piqûres d'insectes, par exemple. Quand ça me démange, je frotte la zone avec le savon, je laisse agir un peu, je rince et je suis tranquille pour un bon bout de temps après. En cas d'aphte ou de gingivite, je me brosse les dents avec du savon d'Alep et du bicarbonate de soude. Attention, ça mousse, mais c'est efficace. Pour les bébés constipés, une astuce de grand-mère est de remplacer un suppositoire par un petit morceau de savon. Bon courage pour la prochaine couche. Et enfin, en cas de crampe, il paraît qu'il faut placer un morceau de savon au fond de son lit. Perso, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer, mais si ça vous l'avez testé, venez me le confirmer en commentaire. 3. Le savon d'Alep pour mon ménage. Pour le ménage, le savon d'Alep a les mêmes vertus que le savon de Marseille, mais en un peu plus cher, c'est vrai. Pour nettoyer le carrelage par exemple, il est tout aussi efficace que le savon de Marseille ou le savon noir. Pour laver mon linge, je râpe une petite quantité de mon savon, pour pouvoir mettre dans ma machine à laver des copeaux de savon d'Alep à la place des lessives chimiques habituelles. Mes vêtements sont ainsi lavés naturellement et cela évite de provoquer une allergie. Il est bien connu que l'érythème fessier des bébés, par exemple, est souvent dû à une allergie aux produits de lessive. Le savon d'Alep est aussi idéal pour laver la vaisselle. Personnellement, j'ai remplacé mon liquide vaisselle par du savon de Marseille en bloc sur lequel je frotte mon éponge, mais le savon d'Alep est tout aussi efficace, plus original encore. En mettant un morceau de savon d'Alep dans son armoire ou son placard, vous faites fuir les mythes. C'est un anti-mythe très efficace. Résultat, et voilà, vous connaissez toutes les vertus du savon d'Alep. Émoticône souriant, vous n'avez pas de savon d'Alep? Vous pouvez en trouver facilement dans les magasins bio, les grandes surfaces ou ici sur internet. À votre tour, connaissez-vous d'autres utilisations du savon d'Alep? Venez les partager en commentaire. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 11 recettes naturelles redoutablement efficaces contre l'acné, 10 astuces à connaître sur le savon de Marseille, un produit magique.